Bonjour Marine. Bonjour Pauline. Donc tu es à l'école Vatel en troisième année, c'est ça? Tout à fait, je suis depuis 3 ans à l'école Vatel, donc qui se trouve dans le deuxième arrondissement de Lyon. D'accord. Donc école d'hôtellerie. Donc hôtellerie-restauration? Hôtellerie-restauration, donc en fait c'est une formation, donc soit une licence professionnelle, ouais, qui est sur donc forcément 3 ans, donc c'est une licence gestion hôtelier international. D'accord. Et donc c'est une formation qui est intégrée après le bac, en post-bac. Voilà, après des bacs généraux, on n'a pas besoin forcément de bac professionnel. D'accord. Et toi, ton parcours avant d'intégrer Vatel, tu avais une expérience dans ce milieu-là, pas du tout? Alors, mes parents sont restaurateurs, donc j'ai grandi dans ce milieu de restauration. Pas vraiment l'hôtellerie, puisque c'est vraiment, mes parents ont vraiment tenu un petit resto. Moi, j'ai un parcours un peu atypique. Donc, j'ai passé un bac sciences techniques de gestion. D'accord. Et ensuite, je me suis dirigée au conservatoire. De chant. De chant, tout à fait, en formation vocale. Donc 3 ans. 3 ans. J'ai obtenu mon diplôme un diplôme au conservatoire. D'accord. Et par la suite, j'ai souhaité intégrer cette école en hôtellerie. Donc tu as repris à zéro, enfin un poste. Voilà, j'ai repris à zéro en première année de licence. Donc c'est tu rentres comment à Vatel? C'est un concours? Comment ça se passe? Alors, c'est payant, oui, le concours? C'est tout d'abord déjà c'est une école payante Vatel aussi. C'est une école payante, donc c'est une école privée sous contrat. D'accord. Donc nos diplômes sont reconnus par l'État. Et donc on passe déjà donc un premier, c'est une première lettre de motivation qui est envoyée à l'école. Ensuite on est sélectionné ou non pour le concours. Donc le concours, on a plusieurs tests. Français, anglais, test psychotechnique. Ok. Et par la suite, donc une deuxième lettre de motivation qu'ils nous font faire sur place. Ah. Et un entretien avec la directrice des études. Ah, ça c'est important de préciser qu'effectivement que les élèves savent bien qu'ils vont avoir une lettre à écrire sur place. Deuxième lettre de motivation, ouais, tout à fait. En fait, je pense que c'est vraiment pour savoir si on est... voilà, on envoie notre première lettre de motivation, mais est-ce que réellement... Est-ce qu'on sait faire sur le tas. Donc, comment ça se passe l'alternance chez Vatel? Alors, l'alternance chez Vatel, donc, c'est vraiment... Donc, il y a une première partie, donc licence. Ouais. Donc là où on a vraiment l'alternance sur les 3 ans. Donc, et après, donc, le master. Et là où on n'a plus vraiment d'alternance, c'est vraiment de la théorie. Donc sur les 3 premières années, donc la première année et la deuxième année, on est en alternance 1 semaine sur 2. Ok. Donc soit sur le restaurant d'application, qui se trouve pas très loin de l'école, dans le second, à Lyon. Ou sur des hôtels extérieurs, Que vous avez à trouver ou que l'école vous Que l'école nous impose. Intégrer. Ils nous imposent des hôtels. C'est des partenariats qu'ils ont entre voilà, certains établissements. Tout d'accord. À fait. Uniquement à Lyon pour Vatel Lyon. Uniquement à Lyon. Vatel est à Paris aussi? Alors, on a 4 écoles en France, une à Nîmes, une à Bordeaux, une à Paris et une à Lyon. Juste pour préciser le prix de l'année de l'école Vatel? Alors, il faut compter environ 6 500 € l'année. D'accord. Voilà, comme... Et le détail qui change par rapport aux autres formations d'alternance, c'est que tu n'es pas rémunérée? Non, aucune rémunération, en tout cas durant l'année scolaire, on va dire, parce que chaque année est conclue par un stage. D'accord, donc de juin donc, à... Alors, soit, généralement, ça débute en mai. Les 2 premières années... la première année, stage de 4 mois. Ok. Deuxième année, stage de 6 mois. Et troisième année, donc soit les étudiants partent en master. Donc là, pas de stage de fin d'études. Et aussi, Vatel nous propose un EuroDip. Donc, c'est un diplôme qui est créé par l'Institut Vatel. Et là où on a un stage de fin d'études de 6 mois à réaliser. Donc en France ou à l'étranger? En France ou à l'étranger. Au choix. Là, pour le coup, vous n'avez aucune contrainte. Aucune contrainte. Complètement libre. Oui. Et donc toi, par exemple, tu es partie où durant tes 2 derniers stages et tu pars où là en juin? Alors pour la première année, j'étais sur la côte, donc entre Monaco et Nice, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à l'hôtel La Voile d'Or. Étoilé? Étoilé, 4 étoiles luxe de l'ancien classement. D'accord. L'année dernière, je suis partie en Polynésie française, dans un relais château, le Taha Resort. Donc là où j'ai... Pareil, étoilé. Étoilé, 5 étoiles.
Parce que Vatel, c'est quand même vraiment hôtellerie-restauration. C'est de luxe, haut de gamme, tout à fait. Okay. On est vraiment envoyé sur des hôtels luxueux. Donc, première année, c'est plus 3-4 étoiles. Mm-hmm. Et deuxième et troisième année, là, on est plus sur des établissements 4-5 étoiles. Et donc là, tu pars en juin, tu repars ? Et donc là, donc moi, j'ai décidé de terminer ma scolarité à ma licence et de faire mon stage de fin d'études en Polynésie française. Voilà, d'accord. Pour la deuxième fois, je repars là-bas. Donc du coup, pour ces stages de fin d'année, donc de juin à novembre, tu es rémunérée, enfin indemnisée. Voilà, donc on est indemnisé sur les stages. Donc, et en revanche, tout le reste de l'année, aucune rémunération, c'est vraiment comme... Survie privée, quoi. Voilà, survie privée. D'accord, donc c'est vraiment par rapport à d'autres formations, d'autres secteurs alternants, là, c'est pas l'avantage d'avoir une rémunération, non. Aucune rémunération. Et c'est pas frustrant de travailler sans être rémunéré ? Alors, c'est ce qu'on se dit au début, enfin, en tout cas, c'est ce que je me suis dit, parce que j'ai eu l'habitude de travailler sur des restaurants, des extras sur Lyon. Donc, ayant l'habitude de travailler et d'être rémunérée, et là, finalement, d'aller travailler, donner sa personne et aucune rémunération derrière, quoi. Donc, c'est un petit peu frustrant, mais en même temps, on se dit que cette formation nous apporte énormément, donc ça payera derrière. Voilà. C'est vraiment un investissement, je pense, pour le futur, quoi. Si tu avais des conseils à donner à des jeunes qui s'apprêtent à postuler en école alternance en restauration, hôtellerie, métier de bouche. Alors les conseils, je partirai sur trois principaux conseils, on va dire. Donc le premier, c'est vraiment les réelles motivations à être dans des métiers hôteliers, qui sont des métiers de service. Donc voilà, une vraie motivation, une expérience aussi. Ouais. Petite expérience qui est demandée par l'Institut Vatel au moment du concours. Oui. Le deuxième, c'est le rythme. Le rythme, s'adapter au rythme scolaire et professionnel, qui n'est pas évident parce qu'il ne faut pas lâcher. Quand on est en milieu professionnel, il ne faut pas oublier que la semaine d'après, on est encore en cours. Et ça, des fois, c'est vrai que ce n'est pas évident à gérer. Mais avec une bonne organisation, ça se passe très bien et on est quand même très soutenu par tout l'encadrement, quoi, les encadrants qui sont... En plus des professionnels, donc c'est des intervenants qui eux sont en milieu professionnel toute la journée. D'accord. Et qui viennent intervenir à l'école. D'accord. Et le troisième, je pense que c'est l'adaptation, avoir la faculté d'adaptation parce qu'on change effectivement. Oui, parce que les restaurants effectivement ne sont pas les mêmes, non seulement il y a le rythme école. Entreprise, enfin restaurant, et en plus restaurant. Tout à fait. Parce que chaque semaine le lieu d'intégration change. Tout à fait. Soit on est donc sur le restaurant d'application, donc là où c'est beaucoup plus familier au bout des 3 ans parce que on a toujours les mêmes maîtres d'hôtel et on connaît la maison et c'est plus facile, mais c'est vrai quand on est envoyé sur des hôtels extérieurs, on a une semaine pour s'adapter à l'équipe, à l'environnement. Et en même temps, je pense que c'est très important, très formateur et très important pour le futur professionnel. Oui. Et puis c'est aussi le but de l'alternance, d'être sur le terrain et de pouvoir mettre en pratique les connaissances théoriques dans différents milieux. Tout à fait. Et mise en pratique tout de suite derrière. Et c'est ce que l'école Vatel met en avant, c'est que notre théorie c'est bien, mais c'est apprentissage théorique qui est mis en pratique tout de suite derrière. Très bien. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup, Pauline.